encore une fois, bienvenue à tous. Et on accueille Yannick Noah, Raphaël. Merci pour eux. Ça va Yannick? Ça va toi? Ça va? Bienvenue! L'album de Yannick qui est sorti depuis 3 jours de Voici le Voilà, métissé avec des duos, donc avec This is La Peste et Jimmy Cliff. On va en parler dans un instant, celui de Raphaël qui triomphe. Caravane, Yannick métissé. On va parler un peu avec Raphaël parce que c'est vrai que Caravane est une surprise extraordinaire puisque l'album est devant tout le monde, il faut bien le dire. Hein. Ce qui n'était pas forcément prévu. Pas par moi en tout cas du tout, non? Ouais. L'influence du début, du tout jeune garçon qui décide de faire de la musique, c'était quel type de musicien? Moi, mon premier truc de loin, c'était Bowie. C'était en 83, à l'époque de Let's Dance. Et pour moi, c'était une révélation, quoi. Ouais, c'est-à-dire quoi, le Bowie sur scène, la complexité de la musique? Oh, non, c'était vraiment l'époque où Bowie était très populaire, quoi. C'était l'époque Let's Dance, quoi, Modern Love et tout. Et moi, c'était China Girl, la coupe de cheveux que je trouvais fantastique et tout. Et j'adorais le mec, quoi. Ouais. Et à la voix, il y a un truc très et sexy dans la voix. Et ensuite, j'ai été gratter un peu, chercher les trucs 10 ans avant, 5 ans avant et tout. Et maintenant, c'est ça qui me et touche le plus, peut-être. Et tout reprendre doucement, quoi. Tranquillement, à la maison, à la guitare, pour commencer à démarrer la... Quoi, des chansons de Bowie, ouais, reprendre, ouais, petit à petit, ou des trucs de Simon & Garfunkel, des trucs des Beatles, des trucs des Rolling Stones. En fait, quand on trouve un type comme ça qu'on admire énormément, ça irradie vers d'autres gens à chaque fois qui sont tous plutôt... Est-ce que Bowie, les mecs qu'il aime, c'est John Lennon ou c'est Dylan ou c'est... Donc ça fait découvrir tout un tas de trucs ou c'est James Brown. Enfin, ça fait découvrir tout un tas de trucs épatants, quoi. Alors, Raphaël, c'est le moment de prendre la guitare parce que avant d'écouter Caravane... Ça y est, d'accord. Alors, il y a ton guitariste qui est là. Ouais, comment Oli. Ça va? Carrément. Oli, le baron. Camarade Oli. Oli qui a vécu aux États-Unis pendant un certain temps, pendant longtemps. Ouais, qui est un vrai, de vrai bohémien, quoi. Voilà. Alors, je vais vous expliquer le système. Peut-être. Alors. Ça, c'est un petit ampli de guitare qu'un copain, Marc Lombroso, m'a ramené de New York il y a 2-3 jours, en fait. Et c'est, ça, c'est le petit, tout à fait le plus épatant, petit ampli de l'histoire de la musique. C'est donc une émission historique. Et alors, moi, je vais mettre évidemment mon micro. Ouais, j'ai mis dans le, normalement, je l'ai mis dans le bon endroit, quoi. Alors, vas-y. Et ça a vraiment le son un peu Bamako, quoi. Et il faut que tu le mettes dans ton micro, en fait. C'est pas convaincant. Alors, on joue une chanson ? Ouais, de Bowie, bien sûr. Vous êtes d'accord ? We passed up on the stairs. We spoke of was a twin. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. You must have died alone. And your face to face with the man who sold the world. The Man Who Sold the World, donc un des titres célèbres de David Bowie avec Raphaël et Oli qui jouent de la Fender. Puisqu'on parle ensemble de guitaristes, on va parler évidemment d'un guitariste archi célèbre qui est Eric Clapton, qui fait, vous le savez, c'était une carrière. C'était un peu Pierre Belmar, notre truc. Comment Ça, c'était Pierre Belmar, un mais peu, c'est moi. Un moment, quoi. Pour ça, tu vois, j'ai trouvé enfin un emploi. Non, alors, chanter, le titre, c'est Caravane. Raphaël, Caravane. Thank you.
yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble, que moi aussi je tremble un peu, parce que je ne vais plus attendre. Sera un jour puni. Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? Et c'est le bon Dieu qui nous fait. Et c'est le bon Dieu qui nous brise. Cette caravane, mais nous partons, elle vient. Raphaël, avec Oli à la guitare. Un album écrit vite, pas vite Assez vite quand même, quoi, en 4-5 mois. En fait, pour mettre la machine en marche, il faut beaucoup de temps, mais une fois que ça commence, ça va. Oui, avec des titres donc particuliers, Schengen, enfin il y a des choses, un hommage à Patrick Devers, ouais. Des choses très différentes. Pourquoi Schengen? Pourquoi l'hommage à Patrick Devers en dehors de Caravane et des autres? Schengen, c'est sur l'injustice absolue de, du fait qu'on n'a pas le droit de circuler dans le monde, quoi. Tout simplement, c'est peut-être un truc idéaliste ou utopique, c'est pas tellement de la politique, mais c'est juste, je crois que c'est pas sain et que c'est surtout d'une injustice totale qu'un type qui vient d'Afrique n'a pas le droit d'aller en Europe et qui... C'est pour ça que d'ailleurs dans les textes on a l'impression que parfois les albums dialoguent parce que l'album, enfin l'un des titres c'est L'homme rendra des comptes, hein, dans ton album. Bétis avec celui d'Yannick, donc on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de communauté qui existe entre les musiciens, même si elle n'existe pas forcément dans la société. Et ça quand même le sport a joué un rôle énorme là pour ça Yannick, non? Le sport, la musique, je crois que quelque part, c'est un peu le même combat. Je veux dire, quand on marque un but, c'est pour tout le monde. Quand on fait une musique, on se demande pas pour qui on l'a fait, et même souvent avec qui on l'a fait, on la sent ou la sent pas. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça donne des ailes, ça donne de l'espoir, quoi, parce qu'on s'aperçoit qu'après, les problèmes de la société paraissent complètement
ridicule par rapport à ce qu'on peut faire, quoi. C'est vraiment un truc d'espérance, quoi. C'est vrai que moi, quand j'étais petit, je regardais Yannick, je regardais Maradona, j'écoutais Bob Marley. Il y a ce même truc d'espérance dingue qui touche le cœur de tout le monde, quoi. Les musiques, il y a un hommage aussi à la musique du Mali, non? Moi, j'ai travaillé avec un guitariste malien qui s'appelle Djeli Moussa Akouyaté, ouais. Qui est un président, là, qui est un très... Un président qui surveille. Oui, oui, c'est ça. Il est fantastique comme musicien. Hein. Très, très poétique, hein, qui est le griot de Salif Keita. Djeli Moussa, on le connaît bien, oui, parce qu'on a joué en Côte d'Ivoire ensemble, et puis au Mali, beaucoup de fois, oui. Et puis, un livre aussi assez incroyable, très très beau, sur la culture de la mixtape. C'est Thurston Moore, de Sonic Youth, qui a édité, en fait, et compilé plein de mixtapes de ses amis artistes, Ryan McGuinness, etc. Et qui montre comme quoi la mixtape est un art vraiment en soi, sur le design, sur la compilation. Voilà. Il faut expliquer ce que c'est, quand même. La mixtape, qui est quand même aussi née des sound systems jamaïcains, de la culture hip-hop, qui, en fait, sont des compilations sur cassette de titres que l'on se faisait à la maison pour écouter sur ce ghetto blaster, etc. Et donc, voilà, ça existe toujours et c'est un très très bel objet, un très beau livre. Déjà, le son des cassettes, il est fantastique. Ouais. Hier, j'étais dans la voiture avec Jean-Louis Aubert, il a un lecteur de cassettes dans sa voiture. Ouais. Encore faut-il en avoir un. Il a un lecteur de cassettes dans sa voiture et c'est fantastique le son, quoi, la compression de la bande cassette, quoi, il y a un truc où t'entends d'autres choses, quoi. Et ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'on a fait tout à l'heure avec le petit ampli que vous avez amené. Oui, un petit peu. Ouais, il y a une intensité, une fragilité formidable. Alors, musique noire, Raphaël, ça a joué un peu. Il fallait des gens importants comme Marvin Gaye. Tout à l'heure, on va montrer un sujet d'Aretha Franklin. Ça a joué un rôle ? Ah ouais, et moi, en fait, Little Richard, c'est le père du rock'n'roll. Ouais. Il est en concert au mois de juin, d'ailleurs, à l'Olympia, 5 et 6 juin, je crois. 6 juin. Je crois 2 jours. Hein, 2 juin. Et les places sont très chères, quoi, ouais. Par contre, ça, c'est le problème. Mais c'est un fou absolu. Le type il est a inventé le rock'n'roll, quoi. Ouais. Hein, c'est, la perruque, la banane, l'homosexualité, la provocation. Papa d'Elvis Presley, quoi, ouais. Little Richard. Fantastique type. Et, on peut applaudir, oui. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Et Otis Redding, moi j'ai vraiment été bouleversé par le Sitting on the Dock of the Bay. Et aussi, ensuite, moi, c'est beaucoup Bob Marley, Jimmy Cliff, quoi. Tout pour les paroles, quoi. Et pour la voix, Bob Marley, la voix d'un bébé qui pleure comme ça, ça prend la gorge, quoi. La fragilité. On va bouger. On va bouger. Voilà. La maladie du bouger, on s'en sort.